passer mon bro et pouvoir leur vitrer dedans directement. Donc ici j'aurais un support comme ça de fixation, je peux me reprendre dedans et moi je serais tranquille. On est actuellement ici. Donc pour rappel, la salle de bain parentale, je vais faire une chape. Donc avant, je vais mettre des dalles TMS pour l'isolation. Basta! Là, je suis au niveau de ma cloison. Au départ, ce que je voulais faire, c'était coffrer le long. Donc faire ma chape, tout le tralala, et après par-dessus mettre ma cloison. Ça me fait un peu chier. J'aurais pu aussi ouvrir la chambre et passer par la chambre, mais bon, tu vois le délire. C'était pas la peine. Donc bah, j'ai réfléchi à une autre solution, parce qu'en plus, tu vois, j'ai des plaques de 3 mètres. Le fournisseur, il avait plus que ça. Du coup, ça m'embête parce que je peux pas y mettre debout. Ou alors, il faudrait que j'y recoupe. Donc bref, au lieu d'y couper, d'y bouger 50 fois, j'ai dit allez, attends, on va arrêter d'y manipuler. Je vais faire la cloison, tant pis. Et ce que je vais faire, je vais me laisser un passage. Donc ce que je ferai, bah, je mettrai un bout de placo pour commencer. Je me laisserai un passage d'une plaque. Et quand j'aurai fini ma chape, je sortirai et je refermerai par la chambre. Enfin, je couperai la chambre et je refermerai le placo. Je pense que c'est la meilleure solution. Qu'est-ce que c'est agréable cette petite pluie. T'entends le doux bruit de la pluie tomber et que toi t'es à l'abri. C'est tout quand même. J'ai commencé à ouvrir du côté de la chambre. Et j'ai ouvert pour voir où était le niveau de la chape de l'autre côté. Comme ça j'ai un repère visuel. J'ai placé mon laser. Et j'ai repéré aussi l'emplacement du placo. De la continuité du mur pour que quand je pose mon rail, que quand je vienne appliquer mon placo contre, j'ai une continuité et que j'ai pas de débord ou de désaffleur. J'ai pris le bord du placo, j'ai retiré l'épaisseur et j'ai pu mettre mon rail. Voilà. Donc maintenant je vais essayer d'enlever un maximum de placo en montant ma cloison. Comme ça je pourrais libérer mon lève-panneau et le ranger. Et je vais gagner de la place et c'est pas du luxe. Maintenant je vais couper le trait laser pour venir en appui. Une fois que ça c'est fait, je vais venir monter ma cloison. Et aussi je vais isoler la cloison. Même si c'est une petite cloison de 50, je vais y mettre de la laine de verre. C'est toujours mieux, c'est toujours plus confortable, phoniquement, thermiquement, etc. Comme tu vois, les outils Bosch, bon pas tous, mais j'y mets dans les systèmes. Voilà, c'est assez profond pour mettre pas mal d'outils. Je trouve ça assez pratique. Je vais retracer mon trait laser parce que forcément je vais le cacher bah, au moment de la coupe. Donc je vais me le tracer et puis après je coupe. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a coupé ici, on va chercher de l'autre côté de l'ouverture. On voulait à peu près une ouverture d'un mètre. Et ce qui tombe plutôt pas mal, c'est qu'ici, j'ai un rail. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en remettre un devant. Je vais me garder l'épaisseur d'un rail que je vais mettre à la perpendiculaire de celle-ci. Et j'aurai à peu près 104 d'ouverture. C'est nickel. Comme ça, je ne touche pas trop à la structure. Tout va bien. Allez, on y coupe.
Donc là, il y avait une prise derrière. Ouais, c'était pas une surprise, forcément. Elle était pentée en série sur une autre prise qui était à côté, donc facile, facile à repérer. Ça, c'est check. J'ai acheté ça. Ça, c'est check. Bon, on a fini de couper notre ouverture. On a laissé le côté fermé ici, le côté nuit. Tant qu'on fait de la poussière ici et qu'il n'y a pas lieu d'y rentrer, ben on laisse bien fermé. J'ai terminé de couper le bas du placo pour que la chape de la maison et la nouvelle chape soient mariées ensemble. Comme ça, j'ai bien mon repère de hauteur. Et normalement, si je ne fais pas de bêtises, on aura un seul plan. Je veux dire, on n'aura pas de décroché entre le carrelage et le parquet. Bien que le parquet, il sera remplacé. Il va me rester les côtés à monter. Mais avant, je vais déjà faire ma cloison pour enlever le maximum de placo ici. T'as vu, je suis comme Pierrot, j'ai la petite larme. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je viens de me manger une petite tartiflette. Je suis rempli, c'est trop bon, mais... C'est lourd. On s'écoute pas, sinon on ferait la sieste. Allez, on s'y remet. J'ai mis les montants de la séparation entre la salle de bain et la chambre. Ce que j'ai fait, j'ai calé des coussins de gonflage pour venir plaquer au maximum. Comme ça, je vais aller avec ma visseuse à placo de l'autre côté et je vais pouvoir visser sans que le montant il s'arrache. Tu vois, voilà, en haut, j'ai revissé là, tout est repris ensemble. Ici, pareil, le montant, il est collé avec la colle express griffon. Il est vissé dans le tasseau de bois, des cloisons alvéolaires. Donc là... Là, c'est pas prévisible. Une fois que j'aurai vissé ce montant, j'enlèverai mes coussins, je les mettrai là-haut et je ferai la même opération. Je la mets entière et après, je la coupe en place. Parce que de toute façon, après, je mettrai un coup de rabot. Alors, autant y couper en place que plutôt m'embêter à y couper à côté, puis après, y mettre en place et puis avoir des risques d'erreur de coupe. Là, au moins, je suis au réel. Je présente la pince Edma pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pince pour sertir les montants dos à dos. Donc soit vous utilisez cette pince qui vous fait gagner du temps parce que ça les sertit, soit vous utilisez des vis TRPF pour assembler vos deux montants. Il n'empêche que le gain de temps est considérable. We'll be right back.
arrive à la structure du WC. Donc ce que je vais faire, je vais me faire un renfort ici en panneau d'OSB. Là, j'ai représenté les montants à peu près où mon châssis va venir se fixer. Donc ma structure va se fixer entre 110 et 130, mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai la chape à faire, donc j'ai 10 cm. Donc je vais me mettre entre 120 et 140. Je vais me mettre un panneau d'OSB ample qui fera 30 cm, comme ça j'aurai de la marge. Comme ça, je vais pouvoir fixer l'ensemble et j'aurai une rigidité de l'ensemble. Mon panneau d'OSB, celui-là, il fait 18 mm d'épais, il est en OSB 3. On n'est pas obligé d'être au micron, j'ai mis le laser, c'est pour me donner une référence, mais si j'étais 1 cm en dessous ou au-dessus, ça changerait pas la face du monde. Ouais, j'utilise de l'auto-perforante, ça doit faire 19. Je suis en plein cours. Ouais. Non, mais y a pas de problème. Hein. J'ai pas dit ça pour ça. Hein. J'ai fixé mon panneau d'un côté. Mes deux montants sont de niveau. Je vais venir les sertir en haut, en bas. Je vais tout oublier et après, je vais venir visser ici. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Là. Ouais, c'est pareil, c'était pas pile poil de niveau, c'est pas grave. Il faut quand même mieux y mettre des niveaux, c'est pas plus mal. Après, il y en a peut-être qui vont se poser la question que ça fasse une protubérance au niveau du placo quand on le met. Franchement, ça n'a pas vraiment d'incidence. Et moi, ce que je fais, parce que je suis un psychopathe, je pense que ça sert à rien, mais je le fais quand même. Je le double. Je le mets à dos et là je visse avec de la vis de 35. Là mon gars, là tu vas pouvoir te mettre sur le chiotte là, je te le dis. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me regarder et à me soutenir. Ça m'encourage à continuer mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous avez envie bien sûr, pour ne rien louper des aventures de War Service. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode. Ah mais ça fait pas de mise au point. C'est pas facile. Articule, Morel. Articule. Bon là, on est tombé sur une prise. Bon, pas de surprise parce qu'on le savait... Oh, le jeu de mots de merde. Voilà, coupé.